Nous sommes chez la famille Codia pour la grande et la dernière veille de maman qu'on a perdue il y a quelques semaines. Et Huguette, toi qui représente l'association, est-ce que tu as un mot à dire? Moi, je dirais plus que je ne suis pas seulement un membre de l'association. Je suis la grande sœur de Maman Goudi. Donc, dans la plupart de mes vidéos, ceux qui regardent mes vidéos, ils savent que je parle beaucoup de Maman Goudi de Baba. Alors, quand on parle de Maman Goudi de Baba, c'est ma petite sœur qui a perdu sa maman. Son mari, c'est Tata Goudi, de Baba aussi, comme on les a surnommés. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Notre maman était malade, elle était malade. Elle a eu peut-être un mois de maladie, une semaine d'hospitalisation. Après, bon, Dieu a voulu ce qui est aujourd'hui. Alors c'est maman Georgine Kouka, la maman de Mangoudi de Baba. Oh là là, mais les mots me manquent parce que c'est très très difficile. C'est ma petite soeur que je porte beaucoup, donc quand elle verse des larmes, et moi je peux pas supporter, donc je pleure aussi. Donc aujourd'hui nous sommes là, puisqu'on a défendu qu'on prenne des salles. On ne peut pas prendre une salle pour faire une veillée. Dieu merci, ils ont un pavillon, donc nous sommes chez eux pour organiser la vie de maman Georgine Kouka, la maman de ma Mangoudi de là-bas. Donc étant Huguette Nsodia, je demande juste du courage à ma petite soeur. Moi je demande vraiment beaucoup de courage, beaucoup mais vraiment beaucoup de courage. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très 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 difficile pour tenir parce que c'est une épreuve qui n'est pas facile à surmonter. Mais ma soeur, courage. Et puis bon, beaucoup de gens ne sont pas venus par rapport au corona puisque nous sommes sortis au confinement. Mais ça continue toujours partout dans le monde. Donc voilà. Donc je dis beaucoup de courage à mon beau-frère qui est Tata Goudi, à ma petite sœur Maman Goudi. Donc vraiment, Maman Georgine, repose en paix de la part de ta fille aussi. Nous étions à Brazza l'année dernière, je n'ai pas eu la chance de te voir, c'est dommage, je regrette amèrement. Oh, je tremble quand je parle, mais voilà, courage à tout le monde, courage à tout le monde, à toute la famille, et puis voilà. Merci. Vas-y. Je peux juste dire un grand revoir à maman. Tu nous as quitté trop tôt, déjà tes sourires, tes humours nous manquent déjà. Tu es toujours là pour nous, maman. Dernièrement, on était à Brazzaville. Pour te rendre visite, je ne savais pas que c'était un adieu. Maman, je te promets, je vais veiller sur ta fille. Je vais veiller sur tes petits-enfants, comme je le fais toujours. Je sais que tu es là parmi nous. Tu es là aujourd'hui, tu es là avec nous, maman. Et maman, pour nous, mamie, pour nos petits-enfants. Adieu, ce n'est qu'au revoir. Mais va te reposer en paix. T'as beaucoup souffert aussi, les médicaments t'as fait craquer, mamie, maman, tu sais. Mais va te reposer. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et donne-nous la force, donne le courage. C'est ce qu'on demande. Et sois avec nous tout le temps. Protège-nous. Merci, maman Georgine, pour tout ce que tu as fait pour nous. Pour tout ce que tu as fait pour ta fille. Pour tout ce que tu as fait pour tes petits-enfants. Ne pleure pas après, c'est pour vous. Merci, maman Georgine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. C'est pas grave, c'est la vie, c'est Dieu qui a voulu ça. Et je demande juste qu'elle repose en paix, qu'elle se repose auprès de sa maman et de son fils. Et bah, que je l'oublierai pas. J'ai trop d'émotions en fait.
sais pas ce que vous pensez, mais je pense très fort à elle. Je suis sûre que je pense très fort à elle. Et je sais qu'elle est très mère. Et que bah, je l'oublierai jamais. Qu'est-ce que vous pensez d'elle? Merci. Maman Georgie, nous sommes là pour ta mort. La situation est tellement difficile. On n'arrive même pas à s'exprimer. Ferme la porte. C'est le chemin de tout un chacun. Mais quand ça arrive, c'est vraiment insupportable. Tu nous vois en larmes ici. Nous, comme on dit, pour le meilleur et pour le pire, quelles soient les circonstances, quelles soient les conditions, on ne pouvait pas se laisser séparer. C'est pour cela, malgré la situation actuelle très difficile, on a fait le nécessaire de venir se réunir ici, ici. Vraiment, pour ceux qui sont là, un grand merci. Et pour ceux qui ne sont pas là, vraiment, une forte pensée à eux aussi. C'est sûr qu'eux aussi, ils ont pensé à vous. Ils souhaitaient être là, mais malheureusement, voilà, on devait prendre une salle. Mais, vu les conditions actuelles, on n'a pas pu. Repose en paix, maman Georgine. Et la force à la famille, elle soit leur... leurs conditions de vie, leur endroit là où ils se trouvent, à Brazzaville comme ici, veille en eux et donne-leur la force pour surpasser cette épreuve, parce que c'est pas évident. C'est pas évident, maman Georgine. Repose en paix. Surtout courage, courage. Thank you.
Que tu nous as gardés et préservés durant toute cette période où le monde a été secoué par ce virus. Merci Seigneur parce que c'est une joie de retrouver les sœurs, même si c'est, les circonstances ne sont pas de gaieté, mais nous voulons te dire merci parce que tu mérites d'être glorifié et loué. Seigneur, tu sais pourquoi aujourd'hui, nous sommes ici dans cette maison. Oui, nous sommes déjà venus dans cette maison, mais ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on vient, Seigneur, en deuil, en pleurs. Et nous te mettons devant parce que tu y as dit, quand tu es faible, appelle-moi. Quand tu es chargé, appelle-moi et je te donnerai la force. Éternel Dieu, maman, aujourd'hui, elle a changé de nom. On a rajouté un adjectif. Elle est devenue morte. Nous voulons remettre l'âme de maman entre tes mains. Parce que c'est un chemin pour tout le monde. Pour que tu puisses, Seigneur, la garder, pour que Seigneur d'abord tu puisses pardonner tout ce qu'elle a pu faire durant tout son pèlerinage sur cette terre. Toi qui connais mieux les hommes que nous, tu sais ce qu'elle a dû faire, tu sais ce que t'attendais qu'elle fasse, et tu es le maître et le juge de toute personne, donc tu connais tout ce qu'elle a pu faire. Donc Seigneur, pardonne, pardonne tout ce qu'elle a pu faire sur cette terre qui n'a pas été digne de toi. Et aujourd'hui, regarde juste les pleurs et les cris et les prières que nous élevons vers toi pour que tu puisses faire miséricorde. Oui, Seigneur, t'as dit dans ta parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et oui, le chemin, la mort, c'est le chemin de tout le monde. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Tout le monde y passera. Mais si on vient vers toi, dans ta gloire, et si on suit cette vérité, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous serons plus que vainqueurs, comme tu l'as été. Et mfumuni matondo, mungoloji wana anatuka kwa beto. Parce que c'est pas facile. On se dit toujours qu'il fallait que je sois là. Ngezebi, c'est ta volonté. Et nous demandons toujours ta volonté. Zebi, le pourquoi. Ni matondo mfumbo na simba. Bika wa simba mutuka kanda dina de kumavula. Dina de tama dila tata nzambi. Wabomba ntima miau ncheti, wabomba wamamari, wabamubidilo. Tata dolokolo, simba kanda lina, kondo kwa mbaga nanu, kondo kwa nwanu, kondo kwa ngamba nanu za makanda, shitabuwa tuka mutufuata bandu mfumo. Menge nangu na kwa nge kwa ntalu tata nzambi, tuka mukanda edi da mama Nkuka Georgina. Tuka mukanda edjo, ya tata mbuku mbongsi yandi wa mtuna mte mukanda ya bagala yandi kanda nina mpikote sa tiduno wakati la kanda makanda kolo soni tiduno kubala tiduno kubatekolo
et tu dis nous quoi béto bala et sabateur pendant le changement. Oh tata Nzambie bonga ndi chakwe tata bonga ndi chakwe tata oh tata Nzambie bonga ndi chakwe tata bonga ndi chakwe tata Fundusu, tina chamansu kambutu fundusu, kwinzami mbutu fundusu, bayaye mbutu fundusu, kwinzami mbutu fundusu. Nzambe mpungu tufundusulu nijo tunafutu bomba beto tuenana mama. Mubomba ntima wa mama tukampasi zina zikamona mkuru wa dina dedukwena timwana andida dema. Wafue mantima wa nyonga. Mais elle accompagnait son fils jusqu'au bout de la croix où il a été crucifié pour nous. Où il a été maltraité, sali, humilié pour nos péchés. C'est pour cela que nous allons nous retourner vers la Sainte Vierge Marie. Mama yanlemvo, bika mama, wabatuka nzondi, wabagande kuya mama Georgine, mulanda ndi la yomu kuenda tiku na kwe mwana ku, mama dolokolo diako. Je vous salue Marie. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Et oui, Éternel, au commencement, tu étais Dieu. À la fin des temps, tu seras toujours le même Dieu. Seigneur, nous te redisons merci pour ce bonheur qu'on ne peut même pas voir, qu'on ne peut même pas sentir, mais tu es là. Tu es là au cœur de nos vies et tu nous demandes d'être fortes. Tu nous demandes d'être fortes parce que maman n'est pas morte et maman, elle est à côté. Elle est à côté de toi, là où tu l'as préparé une place. Seigneur, en partant pendant la Pentecôte, tu nous as dit, je vous enverrai la paix. Cet esprit qui viendra vous sauver. Vous serez baptisés au nom du Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que ton esprit est avec nous, parce que ce Saint-Esprit est avec nous. Et c'est ce Saint-Esprit Seigneur qui va fortifier, qui va donner le courage que tu as donné à David contre Goliath, à maman Christiane, notre sœur qui est en train de pleurer. Seigneur, fortifie-la. Fortifie-la, mon Dieu, mon roi. Tu es le seul. Et oui, tu es le seul. Les hommes de ce monde ne peuvent pas combler ce cœur brisé. Mais toi, Seigneur, tu as juste un mot à dire. Et c'est pour cela que tu as dit. Sangu kwimfumunzambieto. Yobika salam saina zunue. Alleluia saikebo. Zunue akatizito. Sangu kwimfumunzambieto. Yobika salam saina zunue. Alleluia saikebo. Zunue akatizito. Womboleno kugana saie. Kweta mampu wa sala joso. Bembo yeza yuzadi. Sangu kwe mfumu zambito. Yobika.
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Que l'âme de maman Kouka Georgine repose en paix. La paix du Christ. Amen. Limbo, 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 limbo
Gracias.
Thank you.
Yes.
I'm not going to be able to do that.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
I'm
Thank you.
Dame la
Hallelujah! Hallelujah!
Thank you.
Vamos lá, 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 vamos lá
Yeah.
Oh,
Oh,
Nous sommes chez la famille Kodia pour la grande et la dernière veillée de maman qu'on a perdue il y a quelques semaines. Et Gate, toi qui représentes l'association, est-ce que tu as un mot à dire? Ouais. Bon, moi je dirais plus que je ne suis pas seulement un membre de l'association. Je suis la grande sœur de Maman Goudi. Donc, dans la plupart de mes vidéos, ceux qui regardent mes vidéos, ils savent que je parle beaucoup de Maman Goudi de Baba. Alors, quand on parle de Maman Goudi de Baba, c'est ma petite sœur qui a perdu sa maman, son mari, c'est Tata Goudi, de Baba aussi, comme on les a surnommés. C'est vrai que c'est difficile d'expliquer. Notre maman était malade, elle était malade. Elle a eu peut-être un mois de maladie, une semaine d'hospitalisation. Après, ben, Dieu a voulu ce qui est aujourd'hui. Alors, c'est maman Georgine Kouka, la maman de Mangoudi de Baba. Voilà, mais les mots me manquent parce que c'est très très difficile. C'est ma petite sœur que je porte beaucoup, donc quand elle verse des larmes, et moi je peux pas supporter, donc je pleure aussi. Donc aujourd'hui nous sommes là, puisqu'on a défendu qu'on prenne des salles. On ne peut pas prendre une salle pour faire une veillée. Dieu merci, ils ont un pavillon, donc nous sommes chez eux pour organiser la vie de maman
Georgiane Kouka, la maman de ma Ndoudou de là-bas. Donc, étant Yuket Nsodia, je demande juste du courage à ma petite soeur. Moi, je demande vraiment beaucoup de courage. Beaucoup, mais vraiment beaucoup de courage. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est très, très, très difficile pour tenir parce que c'est une épreuve qui n'est pas facile à surmonter. Mais ma soeur, courage. Et puis, bon, beaucoup de gens ne sont pas venus par rapport au corona puisque nous sommes sortis au confinement. Mais ça continue toujours partout dans le monde. Donc voilà. Donc je dis beaucoup de courage à mon beau-frère qui est à Tangoudi, à ma petite sœur, maman Goudi. Donc vraiment, maman Georgine, repose en paix de la part de ta fille aussi. Nous étions à Brazza l'année dernière. Je n'ai pas eu la chance de te voir. C'est dommage, je regrette amèrement. Oh, je tremble quand je parle, mais voilà, courage à tout le monde. Courage à tout le monde, à toute la famille, et puis voilà. Merci. Dis. Je peux juste dire un grand revoir à maman. Tu nous as quitté trop tôt. Déjà, tes sourires, tes humours nous manquent déjà. Tu étais toujours là pour nous, maman. Dernièrement, on était à Brazzaville. Pour te rendre visite, je ne savais pas que c'était un adieu. Maman, je te promets, je vais veiller sur ta fille. Je vais veiller sur tes petits-enfants, comme je le fais toujours. Je sais que tu es là parmi nous. Tu es là aujourd'hui, tu es là avec nous, maman. Et maman, pour nous, mamie pour tes petits-enfants. Adieu, ce n'est qu'un revoir, mais va te reposer en paix. Tu as beaucoup souffert aussi, les médicaments t'as fait craquer, mamie, maman, je sais. Mais va te reposer. C'est Dieu qui a voulu que ce soit ainsi. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Et donne-nous la force, donne le courage. C'est ce qu'on demande. Et sois avec nous tout le temps. Protège-nous. Merci, maman Georgine, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu as fait pour ta fille, pour tout ce que tu as fait pour tes petits-enfants. Ne pleure pas après, c'est pas vrai. Merci, maman Georgine. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Parle un peu fort. On va recommencer.